Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, mes frères, bonsoir mes admirateurs. Ce soir, j'ai réuni mes frères, mon oncle, mon grand-oncle, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est concernant l'héritage mon héritage et mon testament. Tout ce que j'ai, mes deux villas, mes deux Audi, ma piscine, mes deux mois de problèmes, tout ça là, je lègue ça à ma femme, Kwasi Amlamba Isabelle. Tout est à ma femme, je le dis et je le répète, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, des ouvrous demain, après demain, hier. Tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, c'est pour ma femme. Ce n'est pas une question de qui mérite, qui ne mérite pas. C'est ma femme, après mes diplômes, elle m'a responsabilisé avec une famille. Elle a risqué sa vie pour me donner 3 enfants. 1 enfant, ça peut être un accident. 2 enfants, 3, c'est une preuve d'amour. Ma femme m'a aimé, ma femme m'a supporté, ma femme m'a responsabilisé. La manière m'a responsabilisé là, il n'y a pas plus gros diplôme qui existe au monde que de me responsabiliser. Je peux avoir tous les diplômes, mais le diplôme de la responsabilité que Isa Kwasi m'a donné, c'est ça, ce diplôme qui m'a permis de faire piscine, dans laquelle ces bouviers sont assis dedans. C'est grâce à ses responsabilités, il a pu faire 2 villas, 2 Audi, immunité. Sa mère. Voilà. Donc, c'est le testament qui est là. C'est lourd, c'est long, c'est une copie. C'est pas la peine de lire. Pour le moment, je suis vivant, je suis à vous. Le jour que je ne suis pas là, tout appartient à ma femme. Ce n'est pas une question de mérite. C'est à elle. C'est une copie, c'est pour toi. Merci beaucoup. Une copie pour toi. D'être venu nous voir et de nous en parler. Mais tu l'as dit si bien. Amlamba. Et tu en sais ce que ça veut dire. Elle est encore trop jeune pour supporter tout cet héritage et toute cette pression derrière. Elle a supporté 3 fois 9 mois. Toi, tu peux supporter, toi, ton vieux âge. Tu connais les risques d'être enceinte, de mettre au monde un être humain. Deuxième être humain, c'est des risques. Pendant 9 mois, moi j'ai fait 2 mois là-bas seulement là, j'ai failli mourir. Elle fait 9 mois 3 fois. Tu dis c'est une petite fille. 9 mois, quelqu'un qui dit 3 fois 9 mois, c'est une petite fille. On tient d'accord. On peut être méchant comme ça. On peut être mauvais comme ça. Au village ici aujourd'hui, s'assoit. Il va venir dire non, elle m'a supporté, elle m'a. Et nous. Grâce à qui? Lui, il est allé à l'école. C'est payé jusqu'à un terminal, l'université. Aujourd'hui, il a réussi. Il a construit une maison, il a voiture. Aujourd'hui, c'est sa femme qui a supporté 9 mois. C'est sa femme qui a truc. Tu vois les enfants là, les enfants qui vont. C'est-à-dire que les enfants sorciers, les enfants gras. Lui là, c'est un gras. C'est un gras, c'est un méchant. Il a oublié qu'il était assis chez moi, manger mon riz. Chaque jour, matin, midi, soir, il a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, il va venir s'asseoir pour dire tout ça là, c'est pour sa femme. Mais il a raison. Lui là, c'est parce qu'on lui a pas donné femme claire. Si lui, la femme claire était rentrée dans sa vie, même Kaz n'allait pas s'asseoir ici pour parler de ça aujourd'hui. Mais non, comme on a été gentil avec lui, on l'a laissé avec sa femme noire. Voilà pourquoi il s'assoit aujourd'hui, il a réussi. Il a nous parler. Lui, on devait mettre femme claire dans sa vie. Mais elle est du village aussi, ma femme. Elle est de notre village. Et puis on s'en fout. Tout ce qu'elle va hériter aussi, c'est dans le même village. Elle est aussi du village. Et c'est bien sûr, débrouillez-vous. Mais c'est les preuves qui sont là. Jamais fini.